avant 90, les commissions bancaires nationales n'ont pratiquement pas fonctionné. C'était vraiment pas une supervision bancaire digne de son nom. Et les banques mal gérées avaient contribué à la détérioration du bilan de la banque. Il fallait donc une commission régionale pour encadrer tout cela. Il fallait un travail de conseil, d'assistance et d'accompagnement. La commission bancaire est véritablement un outil au service des banques. Si elle n'existait pas, il fallait l'inventer. Le début des années 60 marque l'accès à l'indépendance de nombreux pays africains. À l'ouest du continent, certains États font le choix d'utiliser une même monnaie, le franc CFA. Son émission est confiée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Née le 12 mai 1962 de la signature du traité instituant l'Union monétaire ouest-africaine, la BCAO regroupe alors le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ils seront rejoints plus tard par le Mali et la Guinée-Bissau. Ces États de l'UMOA vont décider au début des années 90 de franchir une nouvelle étape dans leur coopération monétaire en confiant la supervision de leur système bancaire à un organe communautaire, la Commission bancaire. Pourquoi une telle volonté de créer une commission bancaire régionale ? Au milieu des années 1980, les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine sont confrontés à une grave crise qui affecte tous les secteurs de l'économie. Le contexte était assez délicat pour le système bancaire de l'Union. Il y a eu beaucoup de faillites bancaires et c'était le reflet de difficultés macroéconomiques pour l'ensemble des pays de la zone. C'est au gouverneur Alassane Ouattara que revient de résoudre la crise de la dette et d'assainir les finances des pays de l'UMOA. La Banque centrale avait enfin son mot à dire sur le niveau des déficits. Moi, j'ai pu mettre en place, dès 1989, une commission bancaire régionale. Nous avons liquidé un certain nombre de banques qui étaient quasiment en faillite, mais qui continuaient de marcher grâce aux subventions des États. C'est donc en 1989 que naît au sein de la BCAO l'idée d'un contrôle supranational des banques installées dans les États de l'UMOA. Contre toute attente, c'est au sein même de la BCAO que beaucoup de directeurs s'opposent à ce projet ambitieux, y compris le directeur central du crédit à cette époque, M. Marcel Kodjo. Je n'étais pas de ceux qui ont de suite applaudi. J'ai le souvenir de ce comité de direction présidé par le gouverneur Ouattara que la large majorité, sinon l'ensemble, ne comprenait pas pourquoi il fallait avoir un organe autonome et installé ailleurs. Comme vous le savez, les pays de l'Union monétaire font face à des problèmes économiques persistants qu'il nous faut nécessairement résoudre avec rigueur et réalisme. C'est pourquoi toutes les actions tendent vers la restructuration et la surveillance effective du système bancaire de notre Union. Nous avons mis des règles très strictes pour la création des banques. Personne ne pouvait créer une banque s'il n'y avait pas un opérateur bancaire au centre du dispositif. Et sans la mise en place de cette commission bancaire, nous aurions eu beaucoup de difficultés à faire face à la crise bancaire des années 80 que nous avions connue. Lors de la session extraordinaire tenue à Ouagadougou le 24 avril 1990, le Conseil des ministres de l'Union adopte le projet de convention portant création de la commission bancaire de l'UMOA. La cérémonie officielle d'installation de la commission bancaire et de son secrétariat général est le couronnement d'une initiative hardie, heureusement soutenue par la volonté politique des dirigeants de nos États. Je crois que ça a été une décision salutaire d'instaurer la commission à ce moment, parce que ça a permis de faire tout de suite un bilan, de faire le tri, de voir les banques qui pouvaient être sauvées et dans quelles conditions, et d'engager le redressement du système qui a été un succès manifeste. Le 16 octobre 1990, un accord est signé entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la BCAO. Cet accord autorise l'établissement de la commission bancaire à Abidjan et règle ses privilèges et immunités sur le territoire ivoirien. L'événement cet après-midi du 22 novembre 1990 est important à plus d'un titre. En effet, l'installation de la commission bancaire de l'UMOA témoigne de la volonté des hommes politiques de cette union de mettre tout en œuvre pour le renforcement de l'intégration monétaire entre les pays membres.
Je pense que la commission bancaire est née justement au lendemain de ces crises et des conclusions qui en ont été tirées, à savoir qu'il y avait un déficit de supervision et la Banque centrale a pris les dispositions nécessaires pour créer la commission bancaire. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui a été dupliqué dans pas mal de zones. En effet, cet instrument de surveillance communautaire est à cette époque une innovation majeure dont les concepteurs visionnaires ont été les précurseurs. L'Union européenne s'en inspirera d'ailleurs pour créer l'union bancaire mise en place très récemment. Je pense qu'ils ont bien fait d'évoluer vers ça. À partir du moment où on est dans une communauté, il faut que la supervision soit régionale. Mais la mise en place de cette commission impose de relever deux types de défis. Le premier est matériel. Trouver des locaux, les équiper, mobiliser des équipes et les former. Ensuite, second défi, il fallait absolument changer les mentalités pour asseoir l'autorité de l'organe de régulation. Une tâche que Djibril Sarro a accomplie difficilement lorsqu'il a pris le premier la tête du secrétariat général de la commission bancaire. Aucune banque dans les sept pays de l'Union n'acceptait la commission bancaire. Alors il a fallu que je recoure à des huissiers, qu'on les convoque à la commission bancaire. Et là, ils ont commencé à prendre conscience du sérieux que ça a été. Moi, j'ai pris le relais dans la continuation de son travail, d'affirmer l'autorité, bien sûr, de la commission bancaire et de son secrétariat général. Mais en même temps, j'ai ajouté que nous devions également être respectés. Le dialogue, ce n'est pas uniquement le gendarme. Il faut aussi imposer son autorité par l'échange. Pour assainir et restructurer le système bancaire et financier, la commission bancaire dispose de plusieurs leviers. Elle a le pouvoir d'attribuer et de retirer des agréments, de contrôler et de sanctionner. En termes de contrôle, il y en a deux bien distincts. Un contrôle sur place, mais surtout un contrôle sur pièce. Les missions d'inspection vont dans toutes les banques, une fois peut-être tous les deux ans. Et entre-temps, que se passe-t-il? Vous savez que les banques sont tenues d'envoyer mensuellement, n'est-ce pas, la situation de leur activité à la Banque centrale, à la commission bancaire. Donc le contrôle sur pièce est devenu, n'est-ce pas, très important. Nous appelons ça le contrôle permanent. Tout a été pensé pour que le système financier ne présente plus aucune défaillance. Le fait d'avoir un œil extérieur sur nos bonnes pratiques et le respect des textes réglementaires qui s'imposent à nous, nous offre tout de suite des recommandations fortes à mettre en œuvre pour améliorer notre process. La commission bancaire, elle a véritablement révélé l'absence d'un certain nombre de points de contrôle qui pourtant étaient nécessaires à assurer la solidité financière de la banque. Au-delà même de son pouvoir de sanction, la commission bancaire assure un rôle d'accompagnateur, comme cela a été le cas en 1996 lors de l'instauration du plan comptable bancaire de l'UMOA. Ceci a été le fruit d'abord d'une réflexion au niveau de la BCAO, mais nous y avons associé également les acteurs du système bancaire. On a constaté que la commission bancaire donne voix au chapitre. Elle est amenée à prendre des décisions d'urgence, des décisions extrêmes. Elle convoque en fait en audition les dirigeants de banque pour les entendre. Tout ceci montre en fait le dialogue qui existe, je veux dire, entre la Banque centrale, entre la commission bancaire et les banques de l'Union. Les pouvoirs dont dispose la commission bancaire garantissent l'exécution de sa mission principale, la stabilité du secteur bancaire au sein de l'UMOA. Alors déjà, il est normal que le secteur financier soit régi par des règles. Parce que le secteur financier, de par son activité, est indispensable à la croissance économique. Les banques centrales sont là pour édicter ces règles et la commission bancaire est là pour vérifier que les banques les appliquent. L'efficacité de la supervision bancaire se mesure à l'aune de la situation du système bancaire de la zone. Aujourd'hui, on peut considérer que sur l'ensemble des banques, 80% de ces banques respectent le dispositif prudentiel mis en place par la commission bancaire. La commission bancaire est composée des représentants des États membres, d'un représentant de l'État garant de la convertibilité de la monnaie, ainsi que des membres nommés par le Conseil des ministres de l'UMOA. La commission bancaire se réunit au moins une fois par trimestre. Le secrétaire général en assure le fonctionnement. Madame Sena Elda Pochtra est celle qui dirige actuellement le secrétariat général de la commission bancaire. C'est le gouverneur de la BCAO qui en est le président.
Actuellement, c'est M. Thiemoko Meliet-Koné qui en est le président. Ainsi, depuis sa création, la commission bancaire a eu à sa tête quatre présidents. M. Alassane Ouattara, la commission bancaire a été créée sur son initiative. M. Charles Conan Bani, nommé gouverneur en 1990, a achevé l'assainissement du système financier et actionné la libéralisation du marché bancaire dans le contexte particulier du changement de parité du franc CFA. On lui doit notamment le bon fonctionnement de l'intermédiation bancaire, la normalisation comptable, la modernisation des systèmes et moyens de paiement et la réglementation du secteur de la microfinance. M. Philippe-Henri Dacoury-Tablet lui succède en janvier 2008. M. Thiemoko Meliet-Koné est nommé gouverneur en mai 2011. Il privilégie la concertation avec la profession bancaire, la coopération internationale et la coordination entre les régulateurs et les superviseurs. L'adaptation des normes prudentielles et comptables aux standards internationaux est un des défis majeurs qu'il tient à relever. Au fil des années, les missions de la commission bancaire ont évolué. La raison ? La diversification des activités financières au sein des États membres de l'UMOA. Ce qu'il faut retenir, c'est que de cette période-là, nous avons essayé d'anticiper. La commission bancaire s'est attelée à la prise en charge du secteur de la microfinance. La prise en charge du secteur de la microfinance par la commission bancaire n'a pas été effective dès 2007, avec, disons, l'accroissement du volume des opérations des institutions de microfinance, la diversification de ces opérations. La commission bancaire est appelée à avoir un système d'information encore plus performant pour traiter ce volume d'informations qui est plus diversifié. Et diversifié parce que lorsque vous regardez les institutions de microfinance aujourd'hui, elles font des opérations qu'elles ne faisaient pas à l'époque. Avec l'inclusion financière, elles sont appelées à faire, en plus de l'épargne du crédit classique, des opérations d'assurance, de transfert d'argent. Et il fallait s'assurer que la commission bancaire avait un système d'information capable de traiter ce flux d'informations qui était plus important. Parce qu'il n'y a pas de surveillance sans une bonne information. Les États membres de l'UMOA attirent les capitaux étrangers. De nombreuses filiales étrangères sont venues s'installer au sein de l'Union. D'abord, elle a permis d'améliorer notre approche du contrôle bancaire. Elle a également permis d'avoir une meilleure mesure des risques, en particulier sur les activités transfrontalières, et également permis d'une certaine manière de rassurer ces superviseurs-là, ainsi que certains partenaires extérieurs, sur ce que l'UMOA fait en termes donc de prise en charge donc des questions de supervision des groupes bancaires transfrontaliers. L'histoire singulière des pays de l'UMOA a contribué à renforcer l'expérience de ces autorités. Ainsi, la crise de 2008 et la crise ivoirienne de 2010-2011 ont été une expérience nouvelle qui a prouvé la solidité du système bancaire actuel. Lorsqu'il y a eu la crise financière en 2008, les banques évoluant dans la zone UMOA ont été, on va dire, protégées. Pourquoi ? Parce que nous avions des règles très strictes en matière de gestion de nos avoirs extérieurs et les banques également se sont, dans leur grande majorité, conformées à ces règles. Pratiquement jusqu'à mai 2011, les locaux de la commission bancaire ont été fermés, occupés même pendant une période à partir de début février. C'est la force des institutions qui a permis de surmonter ces épreuves. Il faut donc continuer à compter là-dessus. La stabilité financière constatée ne signifie pas pour autant la fin des vulnérabilités découlant des risques liés au fonctionnement des marchés et à l'activité bancaire. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire a eu un impact certain sur l'économie ivoirienne, mais somme toute, son impact, son incidence sur le système bancaire a été relativement limité. La commission bancaire a donc dépêché des missions d'investigation et d'enquête pour mesurer un peu l'impact de cette crise sur la qualité du portefeuille des banques. Dans un contexte communautaire caractérisé par l'arrivée des banques étrangères et par un recours accru des États aux marchés financiers, la commission bancaire doit demeurer vigilante et affirmer en permanence ses outils de surveillance. Le premier défi, c'est l'adéquation de la supervision bancaire aux normes internationales. Deuxième défi, c'est la rénovation des outils et du système de reporting des banques,
qui devra tenir compte donc de la mutation vers une supervision basée sur le risque, sur base consolidée, et qui intégrerait donc de nouvelles exigences telles que la question de la prévention et de la résolution des crises bancaires. Il y aura la mise en place d'une autorité de résolution de crise et la mise en place d'un fonds de résolution de crise. La commission bancaire a su prouver son utilité. La commission bancaire a été pour nous un vrai révélateur. La banque, sans doute par une volonté d'aller très vite dans son développement commercial, a pu oublier à certains moments quelques fondamentaux. Il était important, et il est toujours important pour la zone, d'avoir un organe de supervision fort et indépendant. Le ratio de solvabilité, qui est l'un des ratios de base de la supervision, près de 90% des banques de notre zone respectent ce ratio. Avec l'internationalisation des échanges financiers et les innovations du secteur, la commission bancaire doit sans cesse s'adapter. Lors de sa session ordinaire du 17 septembre 2007, le Conseil des ministres de l'UMOA décidait, sur proposition de la BCAO, de relever le capital social minimum applicable aux banques et établissements financiers respectivement à 10 milliards et 3 milliards. La commission bancaire a pris les dispositions nécessaires pour le suivi de cette mesure. Je pense que c'est une mesure qui a été bien pensée et qui a permis de renforcer de plusieurs centaines de milliards de francs CFA les fonds propres des banques et de leur permettre de soutenir davantage les économies de l'Union. La commission bancaire fête son 25e anniversaire, l'âge de la maturité, l'âge de faire face à de nouveaux défis. Nous allons évoluer vers la mise en place des dispositifs de BAL 2 et BAL 3. Le gouverneur a mis en place une équipe dédiée totalement à cette tâche. Il y a trois gros chantiers mis en place par la Banque centrale. Premièrement, c'est la révision du plan comptable bancaire. Deuxièmement, il y a la mise en place des bureaux d'information de crédit. Et troisièmement, c'est le plan de formation lancé par la Banque centrale avec HEC Paris qui permet de mettre à niveau les cadres du système bancaire de la zone UMOA. Le secteur bancaire constitue un levier important du financement des économies. C'est un travail continu et c'est pour ça que nous avons des projets pour renforcer encore davantage le dispositif de supervision bancaire dans notre zone. L'action de la commission bancaire de l'UMOA a contribué à limiter les effets néfastes des crises traversées. Elle a accompagné la mise en œuvre des mesures d'assainissement et de restructuration du système bancaire. Elle a également permis de restaurer la confiance des déposants et de créer les bases d'une intermédiation saine au bénéfice des économies de l'Union. Il s'agit d'une mission noble et exaltante, mais aussi il s'agit d'une mission exigeante et ingrate, parce qu'il faut arriver à renforcer la stabilité financière, la sécurité des déposants, tout en préservant aussi la rentabilité légitime des établissements de crédit. Je souhaiterais que la commission bancaire puisse continuer à entretenir un dialogue permanent avec les acteurs. Comme vous rappelez, il y a 20 ans, le paysage bancaire était peut-être monocolore, mais aujourd'hui il est divers. Et aujourd'hui, tant la solidité du système bancaire que la rentabilité des banques est au rendez-vous grâce à cet appui de la commission bancaire et de la Banque centrale. On a véritablement des fondamentaux et une solidité qui nous garantissent pour plusieurs années un développement extrêmement fort. Après 25 années d'efforts, d'initiatives et d'actions inlassables, la commission bancaire a réussi à édifier dans l'UMOA un secteur bancaire solide et performant.